Bien. Bien. Mesdames et messieurs, chers collègues, al salón de Neri, je déclare ouverte cette séance et je dois tout d'abord excuser donc Chantal Quéric-Autençon, qui est en mission actuellement pour l'agglomération Pays Basque à Nantes sur les dossiers de France Urbaine. Et donc Chantal donne son pouvoir à M. Frédéric Tranché. Puis Mme Céline Cotina, pour celles et ceux qui ne savent pas, elle a accueilli dans sa famille un petit Line. Voilà, donc elle s'occupe de son petit aujourd'hui. Elle a donné procuration à Madame Laetitia Navarron. Procuration également de Monsieur Xavi Martiarena-Garat, qui donne procuration à Monsieur Xavier Manterola. Procuration de Monsieur Laurent Tariol, qui donne pouvoir donc à Monsieur Daniel Bernard. Procuration de Madame Claudie Roman, qui donne procuration à Madame Léonore Labot. Procuration de Monsieur Peyo Puy-Faucon, qui donne pouvoir à Monsieur Pascal Destruot. Procuration de Madame Marie-Carmen Barrero, qui donne pouvoir à Madame Hélène Iribarin. Et enfin, procuration de Monsieur Jean-Baptiste Salaberry, qui donne pouvoir à Madame Sylvie Estomba.
Pour la lecture du compte rendu de la séance précédente, je passe la parole donc à Madame Hélène Ribarin. Vous avez la parole. Compte rendu de la réunion du conseil municipal du mercredi 21 juillet 2021 à 18h30. L'an 2021, le mercredi 21 juillet à 18h30, s'est réuni le conseil municipal sous la présidence de Monsieur Cottier Essénaro, maire. Présent, Monsieur Essénaro, Madame Kérigue Cotenson, Madame Butori, Monsieur Irasusta, Madame Cotina, Monsieur Arrobarena, Madame Le Gardinier, Monsieur Grabière, Madame Munoz Adoriaga, Madame Camacho Satik, Monsieur Arsayus Aramendi, Monsieur Tariol, Madame Navarron, Madame Aispourou, Monsieur Pellegrin Aramendi, Madame Beaufort, Monsieur Bernard, Monsieur Isaguir, Monsieur Manterola, Madame Arambourg, Monsieur Géant, Madame César, Monsieur Destruo, Madame Iribarin, Madame Estomba, à partir de la délibération numéro 118-2021, Monsieur Salaberry, pouvoir, Monsieur Tranché, à Monsieur le maire, Madame Labo, à Madame César, Monsieur Roman, à Madame Roman, à Madame Beaufort, Monsieur Martiarina Garat, à Madame Navarron, Monsieur Puyfaucon, à Monsieur Destruo, Madame Barrero, à Madame Iribarin, Monsieur Balanzategui, à Monsieur Destruo, Madame Estomba, à Monsieur Salaberry, jusqu'à la délibération numéro 117-2021. Secrétaire de séance, Madame Céline Cotina. Date de la convocation, 12 juillet 2021. Le quorum de l'Assemblée étant atteint, Monsieur le maire ouvre la séance. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2021. Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est ensuite abordé. Sur rapport de Monsieur Cottier Essénaro, maire, délibération 111-2021, décision du maire prise par délégation du Conseil municipal. Le Conseil municipal prend acte de la décision. Pas de vote. Délibération 112-2021, garantie solidaire à l'OGEC Guéroco pour emprunt auprès du Crédit coopératif. Construction nouvelle école, 6-8 rue des Jasmins à Hendaye. Adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Richard Irasusta, délibération 113-2021, tableau des effectifs des permanents numéro 4. Adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Cottier Essénaro, maire, délibération 114-2021, fourrière automobile, choix du mode de gestion, approbation du principe de la délégation de services publics. Adopté à l'unanimité. Délibération 115-2021, convention de partenariat entre la ville et le CLAPS, campagne de vaccination contre la COVID-19. Adopté à l'unanimité. Sur rapport de M. Ganish Grabière, délibération 116-2021, récupération des données érosion côtière de l'Observatoire Côte Basque, convention type et projet de convention de partenariat entre l'OCA et la communauté d'Hendaye. Adopté à l'unanimité. Délibération 117-2021, demande de subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine pour la gestion du domaine d'Abadia. Adopté à l'unanimité. Sur rapport de Madame Michèle Munoz Adoriaga, délibération 118-2021, subvention exceptionnelle accordée à l'association Le Disque de Feutrine. Adopté à l'unanimité. Délibération 119-2021, subvention exceptionnelle accordée à l'association Les Trois Chemins. Adopté à l'unanimité. Délibération 120-2021, dispositif Passe Culture, application à Hendaye. Adopté à l'unanimité. Question écrite. Réponse de Monsieur le maire. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
Merci, Madame Ribarin. Y a-t-il des questions, des objections sur ce compte rendu? Je n'en vois pas. Je considère qu'il est adopté et je vous remercie. Avant d'entamer la séance, je voudrais faire deux petits points de communication. Elles sont les suivantes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans le cadre de sa politique en faveur du handicap, la ville de Hendaye continue à progresser sur l'accessibilité de l'information locale destinée aux personnes en situation de handicap. Après la mise aux normes de l'accessibilité numérique du site Internet et très prochainement la mise en place d'un accueil dématérialisé via la plateforme Helios dans quelques bâtiments communaux, les séances du conseil municipal seront à partir de ce soir retransmises en langue des signes. Après la ville de Bayonne, qui pratique ainsi, mais en différé, Hendaye, disons, est la seconde commune à initier cette démarche, et pour nous, c'est une démarche qui en simultané. Donc, cette démarche vise à rendre la vie citoyenne plus accessible aux personnes sourdes et malentendantes, mais également à sensibiliser la population aux différences qui nous entourent. Je tiens à remercier les deux interprètes, mesdames Ninon Granier-Lejewski et Clémence Brossé, de l'entreprise Equils Interprétation, qui nous accompagne dans ce dispositif permettant aux personnes sourdes et malentendantes de suivre les débats. Elles se succéderont pour traduire en langue des signes française les propos des élus dans une incrustation en haut de l'écran des internautes. Seconde communication. Le rassemblement organisé ce soir devant la mairie et l'écho médiatique qui lui a été accordé me conduisent à revenir sur un débat qui a été ouvert au cours du conseil municipal du 21 juillet. Manifestement, les propos que j'ai tenus en réponse à une question posée ont été mal compris ou mal interprétés. Ils ont fait l'objet d'un courrier signé par plusieurs associations hendayaises auxquelles il convient de répondre. Ce débat étant porté sur la place publique et médiatique, je souhaite vous faire part du courrier qui sera adressé en réponse. Gaur gauean, Herriko Etxearen antzinean antolatua den elkarrizketari begira eta emana izan zaion oiartzuna ikusirik, joan den uztailarean 21eko kontseiluan idekia izan zen eztabaidari berriz lotzen naiz. Dirudienez, pausatua izan den galdera bati, erantzun gisa erabili ditudan hitza gaizki ulertu edo gaizki interpretatuak izan dira, Hendaiako hainbat elkartek izenpetutako mezu elektroniko baten gaia osatzen dutela jakinez, elkartei erantzutea komeni da. Eztabaida hau, plaza publiko eta mediatikoan eraman dela eta, erantzun gisa bidaliko den gutunaren jakinean utzi nahi zaituztet. La lettre dit la chose suivante. Madame, Monsieur, je prends connaissance de votre courrier du 31 août reçu le 6 septembre concernant l'usage du basque à la mairie d'Hendaye et les propos tenus au cours du conseil du 21 juillet dernier. Vous y faites référence à une, je cite, « obligation de rédiger les demandes de subvention en français ». Fin de citation. Comme si quelque chose de nouveau était apparu pendant l'été, alors qu'en fait, nous n'avons fait que rappeler les pratiques qui doivent être en vigueur à la mairie d'Hendaye comme dans toutes les autres mairies de ce côté du Pays basque. Nous avons toujours prôné le bilinguisme, et nous le mettons en pratique autant que possible dans la collectivité de façon ininterrompue depuis des décennies. Bilinguisme signifie bien qu'il convient de s'exprimer dans les deux langues, le français et l'euskera, et pas seulement dans une seule. C'est à cette fin que la plupart des documents sont établis avec la double saisie français et euskera. Nous n'instruisons pas de demandes qui ne sont pas formulées en français, comme dans toutes les collectivités du territoire du Pays basque.
Le formulaire de demande de subvention est et reste bilingue. Il est conforme au protocole pour la garantie des droits linguistiques dans sa déclinaison communale et aux travaux réalisés par Eneritz Zabaleta, docteur en droit public, qui rappelle que les particuliers ne peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les administrations et les services publics d'un droit à l'usage autre que le français. En clair, et conformément à la loi, les demandes de subvention peuvent être présentées en DAI comme ailleurs, sous deux formes, exclusivement en français ou bien en français et en euskara. Si la ville a adhéré au protocole élaboré par l'association Kontseilua et entend le faire vivre en tant qu'outil de promotion de l'euskara, il ne saurait être question de bannir le français des échanges entre les particuliers ou les associations et l'administration municipale. Le jusque-boutisme dans ce domaine me paraît contre-productif. Votre courrier respecte la règle de la communication bilingue avec l'administration municipale et la présente réponse, écrite en tout cas, le fera également. La volonté de la municipalité d'Hendaye est que cette règle continue à s'appliquer. Concernant l'ordre du jour, nous avons une petite modification. Je retire de l'ordre du jour la délibération numéro 124 qui concernait l'adhésion à la Société publique locale des Pyrénées-Atlantiques. Concernant la délibération numéro 121, décision du maire prise par délégation du conseil municipal, vous en avez eu la liste, et si elle n'appelle pas de commentaires particuliers, je propose qu'elle soit actée ainsi puisqu'il n'y a pas de vote. Pas de commentaires, je considère que les délibérations prises par le maire sont acceptées et je vous remercie. Délibération numéro 122, abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements en baux réels solidaires. Vu le Code général des impôts, article 1388 opt-s, vu le Code général des impôts, article 1639 bis, vu le Code de la construction et de l'habitation, article L255.2 à L255.19, les collectivités territoriales peuvent, par délibération, prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire fait l'objet d'un abattement en concurrence de 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90% ou 100% pendant la durée du bail. Cet abattement s'applique au logement affecté à l'habitation principale de l'occupant et pris à bail réel solidaire dans les conditions fixées aux articles L255.2 à L255.19 du Code de la construction et de l'habitation. Un bail réel solidaire est un contrat par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur pour une durée allant de 18 à 99 ans des droits réels en vertu de la location ou de l'accession à la propriété de logement. La délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2021 pour être applicable à compter de l'année 2022. L'abattement ne s'applique que pour la base de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et n'est donc pas pris en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ces logements seront durablement accessibles grâce à une clause antispéculative illimitée dans le temps et parce que les acquéreurs successifs doivent être sous les plafonds de revenus du PSLA. Par ailleurs, ces logements sont comptabilisés dans les 25% de la loi SRU sans limite de durée. Les logements produits en PSLA, c'est-à-dire les logements sociaux mais en location-accession, sont exonérés de taxes de foncier bâti pendant 15 ans de plein droit. Les collectivités ne peuvent pas s'y opposer. Les logements en BRS peuvent bénéficier d'un abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties si les collectivités délibèrent en ce sens. Cela veut dire que lorsqu'on substitue les logements
en PSLA par du BRS, celle-ci récupère 70% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, tout en disposant d'un parc d'accession à la propriété durablement accessible. Pour une opération de 24 logements produisant une taxe foncière annuelle de 20 000 euros avec un dispositif PSLA, la ville se prive de cette recette pendant 15 ans. Pour la même opération en BRS, avec un abattement à 30%, la ville récupère 14 000 euros de recettes annuelles. Le point de bascule se fait sur 50 ans. 15 ans sans taxe de foncier sur les propriétés bâties équivaut à 50 ans d'abattement à 30%. Aujourd'hui, au conseil municipal, il vous est proposé d'accorder un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements affectés à l'habitation principale de l'occupant et prise à bail réel solidaire dans les conditions fixées aux articles que j'ai cités, L255, 2 et 19 du Code de la construction et de l'habitation. Et il vous est proposé également de fixer la durée de cette mesure fiscale à 15 ans à partir de l'année 2022. Voilà ce que dit notre délibération. Avez-vous des commentaires sur le sujet, Madame Laetitia Navarro? Esker. Ordoan, bistan denez, erabaki horren aldegira, gure erronka da ahalik eta pertsonak gehienak hemen etxe bizitza ukaitea, eta helburu hori lortzeko BRS delakoa da tresnarik garrantzitsuenetako bat. Helburu hori lortzeko beste modu bat bada etxe bizitza estrategia bat izaitea, hasieran domeinuen zerbitzuari buruz galdetzera eramango gintuzke, erreserbatutako kokalekuaren eta PLU-an aurreikusitako etxe bizitza sozialen zorren estimazioa lortzeko. Gure aldetik eskaera hau ez da behia eta beti egungoa. Horren ondotik, 2022-ko inbertsioen aurrekontuan inskribatutako finantziazioak aurreikusi beharko genituzke. Ikuspegi horri esker gai horretan aurrera egin ahal izango dugu. Donc nous sommes évidemment favorables à cette décision. Notre enjeu est de permettre au plus grand nombre de se loger ici et pour atteindre cet objectif, le BRS est un des dispositifs phares. Un autre moyen d'atteindre cet objectif est d'avoir une stratégie foncière. Dans un premier temps, elle nous amènerait à interroger le service des domaines afin d'obtenir une estimation de l'emplacement réservé et des servitudes de logements sociaux telles que prévues dans le PLU. Cette demande de notre part n'est pas nouvelle et elle reste d'actualité. Ce qui nous amènerait dans un deuxième temps à prévoir des financements inscrits dans le budget d'investissement 2022. Et cette démarche nous permettra d'avancer sur cette question. Alors, je m'excuse. D'autres interventions? J'avais juste un chiffre à vous communiquer. L'agglomération a sorti un petit tableau du total des logements en BRS qui sont aujourd'hui livrés ou programmés. Donc le numéro 1 de la classe, c'est Bayonne, avec 119. Le numéro 2 est Hendaye, avec 88. Le numéro 3 est Anglet, avec 85. Puis vient Boucourt, avec 44. Bidart, avec 39. Cibourg, avec 46. Voilà pour les premiers donc, de cette quinzaine, je n'ai pas compté, de communes qui se sont lancées dans le BRS. Il est important de le signaler que nous sommes dans la tête... dans le peloton de tête, voilà, et c'est aussi, ça fait partie de nos engagements, comme tu l'as dit, Laetitia, et nous pensons développer encore, voilà, cette stratégie sur d'autres parcelles, d'autres terrains. Il nous faudra être chaque fois vigilants sur ce qui se passe sur notre commune en particulier. Je vous demande de délibérer. Qui accepte cette délibération? Qui vote contre ou qui s'abstient? Je vous remercie. Une deuxième question donc fiscale et financière, titre de la délibération numéro 123, concerne l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les commerces et boutiques de moins de 400 m². C'était également un de nos promesses de campagne. Donc la loi de finances de 2020 a introduit la possibilité pour les communes de diminuer la taxe d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques, au sens de l'article 1498, dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.
Cette mesure financée sur le budget communal permet d'alléger la charge de la taxe foncière pour les petits commerçants de proximité. L'abattement peut varier de 1 à 15%. Il vous est proposé aujourd'hui donc d'opter pour l'abattement de 15%, car avec un abattement de 15%, à titre d'information, pour un commerçant disposant d'un magasin dont la valeur locative est de 10 000 euros, cela fait une économie de 409 euros, étant donné que s'il payait une taxe de 2 729 euros, il n'en paierait plus qu'une taxe de 2 320 euros. Et pour un commerçant disposant d'une boutique dont la taxe foncière était de 1 500 euros, cela ferait une économie de l'ordre de 225 euros, la nouvelle taxe foncière passant à 1 275 euros. Coût pour la commune de cette mesure, 28 000 euros sur notre budget, donc consacré à l'attention de l'aide au commerce et aux boutiques. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder un abattement de 15% sur la base de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l'article 1498. Alors, je crois que c'est pour éviter que l'on retrouve des locaux dans des SCI ou autres trucs compliqués qui n'auraient pas grand-chose à voir avec les commerces et les boutiques qui nous ont sollicité, qui vous ont sollicité pendant la campagne électorale. Donc là, on répond pleinement aux demandes qui ont été faites et en respectant nos engagements. Donc, dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à l'ensemble commercial aussi. Est-ce que vous acceptez la délibération? Qui est pour? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Pour la question 125, je passe la parole à Madame Nicole Vittori. Alors, il s'agit de l'avance sur le forfait scolaire à destination des écoles privées sous contrat. Par le biais d'une circulaire de 2012 du ministère de l'Éducation nationale, les communes sont tenues d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes primaires privées sous contrat d'association pour les élèves domiciliés sur son territoire. La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement des écoles publiques de la commune. Ce forfait est actuellement de 700 euros. Un travail a été entrepris pour fixer le forfait pour les années 2021 à 2023. Il est en cours de finalisation. Dans cette attente, il apparaît opportun de verser une avance sur ce forfait scolaire 2021 correspondant à 50% du montant 2020, soit 350 euros par élève. Le solde sera versé après le vote par le conseil municipal du forfait définitif. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder une avance de 350 euros par élève au titre du forfait scolaire 2021. Merci, Madame Vittori. Avez-vous des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui accepte? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas à l'unanimité et je vous remercie. La question numéro 126 est portée par M. Richard Irasusta, à qui je passe la parole. Délibération qui porte sur le tableau des effectifs permanents numéro 5 et sur le remplacement d'un départ à la retraite sur un poste d'ingénieur principal qui nécessite un tuilage de quelques semaines. Le jury de recrutement, composé de deux élus et des directrices des services concernés, a examiné 4 candidatures sélectionnées sur 21 postulantes et postulants. C'est Élise Brett qui rejoindra la collectivité et, si vous en êtes d'accord, dès le 1er novembre prochain. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l'emploi créé seront inscrits au budget de l'exercice. Je voudrais profiter de cette délibération qui porte sur les ressources humaines pour vous informer que nous avons également recruté le conseiller en prévention dont nous avions parlé au cours d'un conseil municipal précédent. Ce recrutement doit nous aider à renforcer nos dispositifs de prévention des accidents du travail, à améliorer les problèmes liés aux tâches professionnelles et à améliorer la qualité de vie au travail. Ce recrutement, inspiré par le CHSCT, dont il dépasse la demande,
sera répartie avec le CCAS et permettra un partenariat avec la commune de Berriatou. Il est effectif depuis le 1er septembre. Peut-être, Richard, pourrais-tu annoncer aussi officiellement, quelques-uns le connaissent, notre nouveau directeur financier, donner son nom. Peut-être. Martin Guignot. Martin Guignot, qui est arrivé début août. Début août, enfin, voilà. Bien, pas de questions sur cette délibération. Nous la proposons au vote, qu'il accepte. On vote contre, des abstentions, je n'en vois pas, merci, à l'unanimité. Pour la question numéro 127, c'est toujours M. Rassousta. Délibération qui porte sur le Fonds de solidarité logement et énergie, qui est un dispositif géré par le département. Ces aides financières, sous condition de ressources, peuvent être octroyées aux bénéficiaires sous forme de subventions ou de prêts. Le Conseil départemental fixe le montant annuel et sollicite les communes pour abonder ce fonds. Pour l'année 2021, la participation de la commune sera de 8 176 € au titre du logement et de 3 504 € au titre de l'énergie. Il convient de souligner que le CCAS délibère régulièrement sur des aides complémentaires à ce dispositif pour des personnes qui n'y ont pas accès. Le nombre des ménages endaillés en difficulté au moment du paiement des factures d'énergie ou d'eau est en augmentation et le montant des aides accordées est également en augmentation. Le montant des factures atteigne des niveaux qui posent la question de l'accès de tous à l'eau et à l'énergie nécessaire au quotidien. La tendance de l'évolution des tarifs peut nourrir quelques inquiétudes. Pour revenir à la délibération, il vous est proposé de décider que les sommes appelées par le Conseil départemental seront versées à l'appel de fonds émis. Des questions, des commentaires sur cette délibération ? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qu'il accepte, qui vote contre ou qui s'abstient, votez à l'unanimité, je vous remercie. Toujours M. Rassousta. Pour la délibération 128 qui porte sur un projet de convention tripartite entre la ville d'Andaye, le CCAS et l'association Bidassoa et Torkinekin, récemment créée à Andaye. Elle porte cette convention sur l'accompagnement des migrants se déclarant mineurs pour lesquels le CCAS accompagnera l'association Bidassoa et Torkinekin dans la mise en relation avec les services du Conseil départemental qui sont compétents en la matière. Elle fera l'objet d'une prochaine délibération du Conseil d'administration du CCAS et sera discutée avec les services du Conseil départemental dans les prochains jours. Avec cette convention, la ville d'Andaye confirme son engagement dans une démarche d'aide humanitaire d'accompagnement des migrants séjournant sur son territoire. Elle confirme également sa participation active à l'accompagnement légal des migrants relevant du statut de mineur non accompagné. Comme dans d'autres circonstances par le passé, cette convention positionne la ville d'Andaye dans une démarche de solidarité portée par sa représentation démocratique par la présente délibération, mais portée également de façon très concrète par ses services organisés pour tous les Andaillais, qu'ils soient résidents permanents, avec beaucoup ou peu d'ancienneté, ou qu'ils soient endaillés de passage, mais en grande précarité. Et portés également et surtout par des habitantes et des habitants de la commune, organisés dans une démarche associative solidaire. Cette convention confirme des décisions déjà prises au quotidien pour répondre à des sollicitations qui relèvent des compétences de la commune et qui vont dans le sens de la solidarité humanitaire. La particularité de cette convention est qu'elle porte sur des mineurs ou présumés mineurs qui ont des droits sur notre territoire. La ville d'Andaye souhaite que ces droits soient respectés et s'engage à contribuer à ce qu'il en soit ainsi. Il me reste, pour conclure, à relayer l'invitation à tous les élus qui ne l'ont pas encore fait à adhérer individuellement à l'association Bidassoa et Torkinekin en complétant le formulaire qui vous a été distribué. Mais auparavant, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention et tous les documents relatifs à celle-ci. Merci M. Rassousta. Oui, je passe la parole à une question de Mme Laetitia Navarro. Orden. Konbentzioa ulen pausoa da, urgentziazko egoeran gaude eta horrelako iniziatibak hartu behar dira. Bakarrik dauden adin txikikoen gaia departamenduaren eskumen esklusiboa da, txiki handi proiektuaren bidez beren zerbitzuak modu iraunkorrean ezartzea erabaki du departamentuak.
Ez litzateke egokiagoa bakoitzak politika publikoetan dituen rolak definitzen lagunduko lukeen hitzarmen zabalago batean lan egitea. Cette convention est un premier pas. Nous sommes dans une situation d'urgence et il se fallait prendre des initiatives en ce sens. La question des mineurs non accompagnés est une compétence exclusive du département. Ce département qui a fait le choix d'établir ses services de manière pérenne sur notre commune au travers du projet Tikiandi, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de travailler sur une convention plus large qui permettrait de définir les rôles de chacun et de chacune dans les différentes politiques publiques? Nous avons prévu, dans le cadre de cette convention, de rencontrer Mme Loquet, la vice-présidente du conseil départemental en charge de ce dossier, pour affiner les modalités de cette convention et de fonctionnement entre les services du CCAS et les services du département compétents sur les questions de mineurs non accompagnés. Cette convention, elle est urgente, elle était urgente, elle était urgente depuis longtemps. Néanmoins, la ville d'Hendaye est la première à la formaliser de façon claire pour se positionner sur ce terrain sur lequel interviennent beaucoup de bénévoles, interviennent des associations de façon remarquable, mais sans soutien institutionnel autre que celui qui est attribué plus ou moins au niveau de Bayonne et avec des relations avec le département qui ne sont pas toujours fluides. De notre côté, il n'est pas question de revenir et de donner des leçons à qui que ce soit sur comment doivent fonctionner les choses. Néanmoins, il n'est pas question non plus de laisser à des bénévoles la responsabilité d'un accompagnement qui incombe à des institutions. Les mineurs non accompagnés, leur accompagnement relève d'un cadre institutionnel et c'est pour ça que nous avons pris cette porte d'entrée pour proposer au département un partenariat entre le CCAS et ses propres services parce qu'il nous semblait que le relais institutionnel était urgent pour ne pas laisser les associations seules avec ces situations. Il y en a probablement d'autres sur lesquelles on peut avancer dans la réflexion. Les réunions avec l'association Bidasso et Torkinekin font apparaître à certains moments la présence de femmes seules avec des enfants qui peuvent également rentrer dans un cadre légal sur lequel les institutions peuvent travailler et en tous les cas sur lesquels il paraît nécessaire de s'interpeller. Là encore, ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas des petits-enfants, qui ne seraient pas des femmes ou qui ne seraient pas des mineurs, ne relèvent pas de la solidarité humanitaire à laquelle nous devons participer. Et dans le cadre de cette convention, il est prévu que ces personnes dont le statut légal est plus compliqué et donc du coup le soutien institutionnel plus compliqué, que ces personnes-là puissent être aidées aussi ponctuellement par le CCAS à travers un accompagnement de l'hébergement par des bons d'aide financière ou une mobilisation un peu partenariale avec les associations humanitaires d'Hendaye. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est effectivement un chantier énorme qui a beaucoup d'étapes et sur lesquelles il faut travailler point par point en fonction de ce qui est la loi et en fonction de ce que sont nos compétences. Il y a une volonté, nous l'exprimons aujourd'hui, on l'exprime aussi des fois en ne facturant pas des prestations de cantine, par exemple, pour des enfants qui relèveraient d'une solidarité municipale pour des raisons de difficultés administratives de leurs parents. On peut l'exprimer de différentes façons, et la ville d'Hendaye, à ce niveau-là, pourrait donner quelques exemples qu'elle applique. C'est une démarche qui s'officialise aujourd'hui à propos des mineurs non accompagnés, il y a d'autres points sur lesquels on peut être au travail. Et effectivement, on est engagé dans cette réflexion avec l'association et il y aura probablement d'autres étapes. D'autres questions, d'autres remarques? Je n'en vois pas. On délibère, s'il vous plaît. Qui accepte la délibération? Qui vote contre ou qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la question suivante, je passe la parole à M. Frédéric Tranchet. L'association de gestion du restaurant interentreprise des Joncos occupe les locaux destinés à la restauration collective au centre d'accueil des Joncos. La prestation de restauration est assurée par la société Sodexo.
Ce sont principalement des employés communaux et des salariés des entreprises d'EPTA et de SOCOA qui y prennent leur déjeuner. Au vu du contexte sanitaire en 2020 et la baisse drastique de fréquentation due à des semaines de fermeture, le loyer avait été revu pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il était donc passé de 0,43 euros par repas à 0,21 euros par repas. Cependant, malgré la réouverture du RIE, les différentes contraintes imposées, notamment les mesures de distanciation, ont maintenu une faible fréquentation en 2021. Au 31 août 2021, elle est estimée à 37 000 repas contre 55 000 à la même date en 2019. Cette baisse de fréquentation a remis en cause le modèle économique du restaurant, sans pour autant remettre en cause son intérêt. Aussi, dans le but de maintenir cette activité et inciter les rationnaires à déjeuner au RIE sans avoir à augmenter les prix, l'AGRI demande que le montant du loyer soit maintenu à 0,21 euros par repas pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'aller dans ce sens. Des commentaires, des questions, chers collègues? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui accepte? Qui vote contre ou abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Pour la dernière question, je passe la parole à M. Ganich Grabière. Merci, M. le maire. Pour introduire le sujet, je rappellerai juste que le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient en particulier de prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Sur chaque commune doit disposer d'une fourrière communale ou intercommunale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants. La gestion de cette fourrière peut toutefois être assurée par une association régie par la loi de 1901, type association protectrice des animaux. Comme nous ne disposons pas en propre de fourrière communale, je vous propose de confier, par le biais d'une convention, la gestion de la fourrière animale à l'association protectrice des animaux, qui est gestionnaire du refuge de la Côte Basque, situé à Saint-Jean-de-Luz. Le projet de convention que vous avez pu lire en annexe prévoit notamment les dispositions suivantes. Dès leur arrivée, chiens et chats seront placés sous la garde de la fourrière et celle-ci prendra en charge pour le compte de la ville l'hébergement et l'alimentation de ces animaux, les soins vétérinaires éventuels pour les animaux qui ne sont pas réclamés par leur propriétaire, la recherche du propriétaire, évidemment, les actes vétérinaires obligatoires, parmi lesquels le puçage ou le tatouage, s'ils ne sont pas effectués, les dépassements exceptionnels à la demande de la police municipale ou d'une clinique vétérinaire pour récupérer des animaux trouvés errants, ainsi que la récupération des cadavres hors chats féraux chez les vétérinaires. La convention que nous vous proposons prendra effet à compter de sa date de signature jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et pourra faire l'objet chaque année d'un renouvellement par tacite reconduction pour une période de 1 an. Pour la durée de la convention, la fourrière adressera à la ville ses factures sur la base d'un montant forfaitaire fixé à 1 euro par habitant par an pour les prestations décrites ci-dessus. Les prestations hors contrat, exécutées après accord de la ville, bien évidemment, pourront faire l'objet de factures dédiées hors facture annuelle. Dans la mesure où notre commune doit pouvoir disposer d'une fourrière animale en propre, ou à défaut qu'elle puisse confier la gestion de cette fourrière à une association de protection des animaux, il vous est proposé d'approuver la convention entre la ville d'Andaille et l'association protectrice des animaux située donc à Saint-Jean-de-Luz et représentée par sa présidente, Mme Alice Aussan, et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document avenant ou acte s'y rapportant. J'indique que cette convention ne traite pas du problème des chats féroces, des chats libres, des chats sans propriétaire, je dirais, des chats qui sont en liberté, car nous sommes actuellement en effet en discussion avec une association andaise pour traiter spécifiquement de ce problème et également en discussion avec une association nationale qui nous permettrait de minimiser les coûts. Je serai donc très prochainement amené à revenir vers vous pour vous soumettre ces nouvelles conventions. Merci, M. Grabière. Une question de M. Destruyot.
Oui, justement, pour M. Grabière, la convention, elle est signée, donc effectivement, le maire est responsable des chats, des chiens errants sur la commune, c'est effectivement. Donc, on signe une convention à compter de cette date jusqu'au 31 décembre avec la fourrière de Saint-Jean-de-Luz. Et la convention qui est mentionnée, que vous devez signer donc, avec les chamis de mamie et 3 millions d'amis, en théorie, il faudra la signer en simultané, parce que sinon, le cas des chats errants, les chats féraux, là, comment il va être traité, quoi, durant ces 4 mois, quoi. Donc la question, c'est est-ce que cette délibération, elle doit pas être signée en simultané pour éviter que le cas particulier devienne un cas général, quoi. J'espère bien que l'on sera quasi en simultané. J'attends le retour des chamis de mamie, mais les discussions sont bien engagées, donc je ne doute pas que ça puisse être signé très rapidement également. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est juste, je profite comme sa dernière délibération, monsieur le maire, si vous permettez. Oui. La délibération 124, elle a été retirée donc, pour la société publique locale du département. C'est par rapport à la consultation dont on avait parlé en commission avec l'agglomération. Il se trouve que hier soir, nous avions à l'agglomération un conseil exécutif. Le débat était porté en conseil exécutif par quelques collègues. Et il est apparu effectivement que d'un côté, le département et de l'autre, l'aglo, quasiment de manière simultanée, proposer de constituer une SPL pour ayant le même objectif. Donc, de l'avis de tous les conseillers présents, de tous les élus communautaires présents, on a dit, bon, ben, on va se mettre d'accord une fois que les présidents se sont mis d'accord. Et donc, le président Tchégaray de l'Aglo et le président Jean-Jacques Lasserre du département doivent nous faire une proposition commune dans laquelle on ne devrait retrouver qu'une SPL, à moins que l'on trouve deux SPL avec des modes de fonctionnement différents. Donc, c'est la raison pour laquelle on retire la délibération. Je vous propose donc de voter la délibération de Ganiche, que l'on n'a pas votée. Si, on l'a votée? Non, on ne l'a pas votée. Donc, je vous propose de l'adopter. Qui vote pour? Qui vote contre? Ou qui s'abstient? Je vous remercie. Et bien, mesdames, messieurs, chers collègues, merci. Et nous levons la séance.